Good morgen, allez, Daniel, ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Israël Gufani, le Rabba Tester. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Yevamot, Perek Yud Gimel, Mishnachet. Mishaya Nasui Lishte Yetomot Ktanot. On va mettre Biata O Khalitzata, Shalachat Mehen, Poteret Tzarata. Vechen Shtei Chereshot. Ktana Vechereshet. En Biata Khatmen, Poteret Tzarata. Pikachat Vechereshet. ביית הפיקחת פותרת את החרשת, ואין ביית החרשת פותרת את הפיקחת. גדולה או קטנה, ביית הגדולה פותרת את הקטנה, ואין ביית הקטנה פותרת את הגדולה. מן פרנסיפ, דן תות פרושן משניות, אונדה פרלה דה קידושין, דה פי, דה דה סורד, סטדיר כוח, רומי מודי קריטי כאין סורד וקונסידרי, נו, דולה תורה, אין סורי קונסידרי כאין. Ou qui n'a pas de conscience, donc qui ne peut pas acquérir, vendre, et donc qui ne peut pas se marier. Chachamim ont malgré tout décrété aussi qu'une sourde pourra se marier. Au même titre que la Ktana aussi, qui n'a pas de père, la petite fille qui n'a pas de père, elle, ben, Minatora, elle ne peut plus se marier, tant qu'elle n'est pas devenue adulte. Et Chachamim, là aussi, ont décrété qu'on peut quand même la marier, selon le principe qu'on a expliqué, pour ne pas que les crapules vont se mettre à abuser d'elle. Et donc, du coup, on préfère qu'elle soit dans les mains d'un mari qui va veiller à ses petits soins et que personne ne l'approche. D'accord? Ça, c'est le principe de toutes nos Mishnayot. Et puis, maintenant, depuis la Mishnah précédente, maintenant, on va s'intéresser aux interférences. Dans la Mishnah précédente, on a parlé qu'il y avait deux frères qui étaient mariés à deux petites ou deux sourdes, c'est évoqué aussi. À présent, on va s'intéresser à une personne qui est mariée tout directement à deux petites filles, qui ne sont pas des sœurs, bien évidemment, parce qu'il peut se marier avec des sœurs, mais avec deux filles petites, ou encore avec deux sourdes, et après, la suite de la Mishnah, ça va être avec une sourde et une petite. Chacun avec son statut. D'abord, on commence à traduire. Mishaya Nasui Lishtei Yetomot Ktanot. Celui qui s'est marié avec deux filles petites, des petites filles qui n'avaient pas de père, qui étaient orphelines, il en a marié deux, qui n'ont pas de lien parental entre elles. Vamet, et il décède. Eh bien, bi'ata ou khalitzata shalachatmen poteretzata, le fait de si son frère voudra en prendre une, lorsqu'il se marie avec elle, il dispensera l'autre. Ou encore même, khalitzata. Il pourra faire la khalitza l'une et il dispensera l'autre. C'est-à-dire, étant donné que maintenant, ces deux filles-là ne sont mariées que midrabanan. Alors, midrabanan, c'est simple, on va considérer que les deux, ce sont ces deux vraies femmes. Et donc, comme le système avec les femmes fonctionne, tu fais l'action pour une, ça dispense l'autre. Ok? Donc le fait de se marier avec une ou de faire la khalitza avec l'autre va dispenser la tsara. La tsara, c'est la coépouse, d'accord? La deuxième femme. Pour faire la khalitza, le partenaire nous précise, on parle bien sûr qu'elle devra attendre de grandir. Il y a en réalité une marloquette sur ça, est-ce qu'on peut faire la khalitza à une petite fille ou il faut attendre qu'elle grandisse? La Mishnah, elle retient à la lacha qu'il faut attendre qu'elle grandisse. Donc, du coup, quand on parle qu'il va faire la khalitza, c'est en attendant qu'elle grandisse. Ok? Vechen shtei chereshot, même principe pour deux sourdes aussi. S'il était marié avec deux sourdes, eh bien, il faudra ensuite, minatora, le fait de se marier avec une, le fait que le yavam va en prendre une, va dispenser l'autre. Ou il pourra aussi faire la khalitza à l'une. Non, il ne pourra pas faire la khalitza parce qu'on ne peut pas faire une khalitza à une chereshot. Là, elle ne pourra pas dire le texte, elle est complètement inapte pour dire le texte de la Khalitza. Ok? Autre sujet maintenant, c'est que Ktana et Khereshet. Là, cas particulier. Lorsqu'on parle d'une Khereshet, il faut bien comprendre. On parle même d'une sourde qui est adulte, pas forcément enfant. Seulement, comme elle est adulte, mais qu'elle n'a pas du yot, la pauvre, elle ne s'est pas développée. Ouais, toujours, lorsqu'on parle des sourdes dans la Mishnah, on parle de sourdes qui ne se sont pas développées, qui n'ont pas eu de communication, donc ils sont restés avec un petit cerveau. Ils manquent de jugeot, ils ne sont pas aptes à faire des kinanim. Il y a les mechachamim, ont malgré tout dégrotté, comme on a dit, qu'on pourra se marier avec une sourde pour ne pas qu'on abuse elle. Maintenant, imaginez la particularité de la sourde. On parle ici de deux femmes à comparer, c'est important pour comprendre le cas maintenant. C'est que la petite fille, elle a un désavantage, c'est que pour le moment, c'est une petite fille. Ce n'est pas tellement attirant. Mais malgré tout, elle a l'avantage, c'est qu'au moins, elle est nette et un jour, ça va devenir une vraie femme. À la différence de la sourde, elle a un corps adulte, elle peut même présenter très bien, mais le problème c'est qu'elle n'a pas la jugeote qu'il faut.
Chachamim ont aussi décrété de mariage. Qu'est-ce qui se passe qu'elle est apte à se marier, mais des rabbanan. Qu'est-ce qui se passe maintenant, un homme qui est marié à deux femmes, une petite fille orpheline qui n'avait pas de père, et une sourde adulte. Il a deux femmes qui sont mariées que des rabbanan, mais qui sont de deux espèces. Chacun, elle a son avantage et son inconvénient, comme on a dit. La petite, au moins, elle a de la jugeote, un jour elle va devenir adulte, ça va devenir une vraie femme, mais pour le moment, il n'est pas tellement attiré par elle. L'adulte, la sourde, elle a au moins un corps adulte, elle présente quand même très bien, mais elle n'a pas de jugeote. La question, entre parenthèses, en fait, elle est de savoir qu'un homme qui est marié avec deux femmes comme ça, laquelle il préfère des deux? Est-ce qu'il y a peut-être une qui est sa vraie femme et l'autre qui n'est pas vraiment sa vraie femme? Mais des rabbanans, comment on considère les deux? C'est ce que la Mishnah nous dit maintenant. Ktana v'Chereshet. Il était marié avec deux femmes, avec une petite fille et une Chereshet et une adulte sourde. Eh bien, la Mishnah me dit, son frère maintenant, qui est ici, et si ce frère il décède, et son frère va devoir faire le yiboum à l'une d'entre elles, eh bien, en biata chatmen poteret sarata, aucune, la biya d'aucune ne pourra faire dispenser la seconde de mitzvah de yiboum ou de chalitza. On ne va pas les considérer comme mariées également, parce qu'elles ne sont pas égales. Il y en a une qui est plus sa femme que l'autre, et on ne sait pas c'est laquelle. Chacune elle a son avantage. C'est quand même plus agréable quand il est avec elle, avec l'adulte qui a fait réchette, qu'au moins elle a un corps adulte, mais d'un autre côté, il lui manque une tête. D'accord? Donc du coup, c'est la question, non, laquelle il préfère, et ça reste en suspens, et de ce fait, il ne pourra pas faire la mitzvah de Yiboum avec l'une avec l'autre, parce qu'on craint qu'elle l'autre, elle était, comme si je peux dire, une elle était mariée à 50%, l'autre elle est mariée à 70%. Donc, il y en a une qui est mariée un peu plus que l'autre. D'accord? C'est le principe. Pikachat vechereshet. Maintenant, si au lieu de, il est marié avec une femme normale, et en plus de ça, une sourde, il en a deux. Ou encore, et ouais, après on aura le cas de Ktana avec de là. Pour le moment, Pikachat vechereshet, une femme, Pikachat, intelligente, normale, bien éveillée, bien ouverte dans la tête, quoi. Et l'autre qui est sourde. La Mishnah me dit, ben, s'il est marié avec les deux et qu'il décède, son frère fera le yiboum avec la pikachat et dispensera la chereshet. Biata pikachat poteret et chereshet. Le fait d'aller avec la femme normale, intelligente, va dispenser la sourde. Par contre, ven biata chereshet poteret et pikachat, bien évidemment, le fait d'aller avec la chereshet, avec la sourde, ne pourra pas dispenser la femme pikachat, parce que la pikachat, elle est mariée minatora. Quelqu'un de pikachat, c'est intelligent. La pikachat, elle est mariée minatora, et l'autre, elle est mariée que midrabanan. Donc, le drabanan ne peut pas dispenser la femme mariée d'oreta, mais au contraire, oui. Même principe avec gdola ou ktana. Il était marié avec deux femmes, une qui était grande, adulte, et l'autre qui était ktana, une petite fille. De même, alors, biat agdola poteret ataktana. La bia, le fait d'aller avec la grande, va dispenser la petite. De Yiboum, parce que la grande elle est mariée à la Torah, tu fais la méthode de la Torah Badaï que tu acquittes celle qui est mariée comme une Rabanan. Par contre, Venbi Ataktana, Poteret Atakdola, par contre, le rapport qu'il va avoir avec la petite ne va pas dispenser la grande. D'accord? Pourquoi ça ne va pas dispenser la grande? Parce que la grande elle est mariée à la Torah, et là tu fais un Yiboum qui n'est que une Rabanan. Du point de vue de la Torah, cette petite fille elle n'est pas mariée donc c'est une étrangère. Ouais, avoir un rapport avec une étrangère, ça ne va pas dispenser la Yivama. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.